Bonjour Alain Regnault. Bonjour. Vous êtes vous senior advisor au sein du groupe AGEA. C'est un groupe qui est un peu connu, mais peu connu en France tout de même. J'aimerais que l'on présente d'abord le groupe AGEA, puis après les activités en France. Ouais, écoutez, merci. D'abord, AGEA, c'est un groupe international dont le siège social est basé à Bruxelles. Nous sommes implantés dans 14 pays dans le monde, hein, avec une dominante, je dirais, très asiatique, hein, car nous en réalisons un chiffre d'affaires de 40 milliards. Et sur 40 milliards, plus de la moitié est fait en Asie, avec un focus très fort sur la Chine, l'Inde, la Malaisie. Hein. Donc ça, c'est déjà notre positionnement. On a aujourd'hui 45 000 salariés qui dans le monde qui travaillent pour le groupe AGEA. On assure plus de 39 millions de personnes, hein, donc c'est représentatif. Hein. Et en même temps, le résultat de ce groupe est substantiel, car on a dégagé en 2021 plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, de bénéfices nets, je dirais, pour en plus des marges de solvabilité qui se situent à 200%. Ça, voilà un peu la cartographie du groupe AGEA dans le monde. Et en France, alors, vos activités ? Alors, en France, c'est différent parce que nous sommes une filiale à 100% du groupe, hein, mais spécialisée dans l'assurance de personnes. Mm-hmm. Hein, épargne, retraite, qui sont nos deux axes principaux. Avec un chiffre d'affaires de 450 millions, on gère 4 milliards d'actifs sous gestion. Nous avons surtout une stratégie très orientée sur le monde des indépendants, du B2B, hein, avec 500 apporteurs, des conseillers en gestion de patrimoine qui travaillent pour nous. Avec notre objectif, c'est d'aider ces conseillers en gestion de patrimoine indépendants dans leur développement de leur propre fonds de commerce, hein, avec surtout de faire en sorte de leur donner des produits, des services et les accompagner dans leur développement. Eh bien, on suivra en tout cas ces activités d'AGEA en France. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.